Chanter en fait, ça a toujours été quelque chose d'assez naturel, mais je ne sais pas comment fonctionne cet instrument qu'est la voix. Parce que le piano, je m'assois derrière, j'ai les touches, et la voix, c'est à l'intérieur de moi, je sais pas ce qui se passe, je sais même pas de quoi ont l'air mes cordes vocales. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais voir un peu comment ça marche. Donc j'ai poussé la porte de l'école de musique de ma ville, et je suis allée voir la professeure de chant, qui ne nous enseignait que le chant lyrique. Et je lui ai dit, écoutez, j'aimerais savoir comment fonctionne mon instrument. Déjà, si elle chante, c'est parce qu'elle aime. On ne peut pas chanter si on n'aime pas. On fait une chose quand on aime, je pense. Moi, je danse parce que j'aime danser, j'aime la musique. Donc, on ne se lève pas comme ça pour faire un truc comme si on nous forçait. Non, je pense que c'est naturel. Moi, je pense qu'au départ, on a tous un don. Oui. Parce que de toute façon, on a cette voix. Après, il faut justement bien la guider. Il faut la guider, cette voix, ça c'est une évidence. Faut l'aimer aussi, j'ai envie de dire. Il faut aimer sa voix, il faut l'accepter aussi. Parce que quelquefois, on a des chanteurs qui aimeraient faire certains rôles, mais qui n'ont pas la voix pour faire ce rôle-là. Moi, j'ai toujours dit en rigolant, mais moi aussi, j'aimerais bien chanter la Traviata, la Reine de la Nuit, je ne sais pas, Tosca, tout le répertoire, voilà, Verdien, Puccinien, mais je n'ai pas cette voix, donc il faut que je l'accepte. Donc je ne vais pas aller vers ces rôles-là, forcément. Elle a commencé à me faire des sons, des petits sons, faire un O en ayant l'impression que j'ai, comme il disait, quelque chose de très... comme une patate chaude dans la bouche. Enfin, des images un peu convenues comme ça, qu'on a tous déjà entendues. Et puis, j'ai entendu ma voix sonner de cette manière et ça m'a absolument fascinée. Cela commence avec le fait de découvrir que l'on a une voix. And that's quite exciting. Et c'est très excitant. Je pense que quand on débute, la voix représente tout. Et ce que certains jeunes, très jeunes chanteurs ne réalisent pas, c'est tout ce que cela engage réellement. Il s'agit de l'instrument avec lequel on communique. C'est la plus belle ligne à chanter, et je pense que tu peux le faire facilement. Mais je crois que tu n'y es pas encore tout à fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est l'archer sur la corde. L'archer doit rester sur la corde. Je me suis dit, mais c'est incroyable que le corps humain, que la voix humaine puisse faire ce genre de choses, ce genre de son, sans aucun médium, sans aucun micro, sans rien, juste en ouvrant la bouche et en
posant sa voix et en plaçant sa voix, ça m'a absolument fascinée, ça m'a bouleversée. Nous souhaitions faire quelque chose autour de la musique parce qu'Anne Gruner Schumberger, comme d'ailleurs toute sa famille, était très musicienne. Elle voulait faire quelque chose pour la musique et elle a lancé donc une activité musicale au Treil. Il nous paraissait qu'il y avait beaucoup d'académies pour les instrumentistes en France, mais pas beaucoup de choses pour les chanteurs. Ça, c'était la première observation. La deuxième observation, c'est que moi, je connais assez bien le sujet parce que j'ai présidé l'Opéra Comique pendant plusieurs années. Les jeunes chanteurs sont happés un peu par le système professionnel dès qu'ils ont terminé leur formation et ils n'ont pas tellement le temps de réfléchir sur leur art. On vient d'arriver au domaine des Treil, donc pas très très loin de Nice, non, c'est ça, je crois. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment encore plus beau que ce qu'on m'avait dit. Donc ça, c'est vraiment agréable. Du vert partout comme ça, c'est trop bien. Je suis trop contente. Chaque année, on s'intéresse à un style vocal particulier. Nous invitons un professeur pour voilà, les aider à faire un peu une pause, tout en travaillant, mais une pause au sein de d'une activité professionnelle quelquefois harassante et qui ne leur laisse pas le temps de réfléchir. C'est très important de réfléchir sur ce qu'on fait. Ma première prof de chant, j'ai vu sur son visage son air quand elle m'a entendu faire mes premiers sons. J'ai vu une espèce d'ahurissement comme ça, genre mais qu'est-ce que c'est que cet ovni, enfin, d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a tout de suite mis en garde. Il faut travailler sérieusement, en travaillant avec beaucoup d'assiduité. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très intéressant. Et ça, c'est une phrase qui m'a tout de suite frappée, qui m'a beaucoup trotté dans la tête en me disant voilà, est-ce que j'ai envie, est-ce que je sens que j'ai envie d'aller dans ce travail? Parce qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche, c'était il y avait une espèce de je sais pas comment dire, de réconciliation, de communion avec moi-même. Je me sentais juste bien, je me sentais à ma place et je me disais oui, effectivement il va falloir travailler, effectivement si je veux faire carrière ça se mérite, mais je sens que c'est là que je dois être en fait. Donc là, c'est un endroit que j'aime beaucoup travailler quand je ne suis pas à Paris le week-end. Et là, en ce moment, je bosse sur un Puccini, la Rondine, et sur la Reine de Saba de Gounod. C'est vraiment cool. Okay. C'est chouette. Du coup, avant de travailler, tu fais des exercices? Ouais, je fais spécifique, non, mais je fais avec un peu de... Il faut réveiller la voix quand même, parce que ça sort pas comme ça tout seul. Il faut préparer le corps, il faut réamorcer les bons gestes, les bons réflexes. Donc voilà, je vais faire quelques petits exercices. Bouche fermée, par exemple sur une octave, dans le tremblement de lèvres par exemple. Donc là, ça me permet de voir si l'air circule bien, puis de parcourir la tessiture en douceur, donc c'est plutôt confortable. Et ça, c'est facile à faire. Ouais, ça te connecte directement avec le corps, et voilà, c'est juste histoire de faire quelques sons tranquilles. Attends tout de suite entrer dans le vif du sujet, mais tranquillement s'y mettre. Alors aujourd'hui c'est Puccini à Rondine, on fait quelques extraits avec en masterclass avec Opéra Foco et Inva Moula et la Reine de Saba de Gounod, la cavatine plus grande dans son obscurité parce que j'ai un récital très prochainement à Bordeaux donc j'ai quand même 45 minutes de musique toute seule, j'ai fait mon
J'ai fait mon programme, j'ai essayé d'avoir des pièces grand public, puis des pièces qui me tiennent à cœur aussi. Donc voilà, c'est quand même dans la grande salle de l'opéra, donc c'est un peu de pression. Donc voilà, je me mets à travailler un peu sérieusement quand même. J'ai envie de faire une carrière, je fais tout ce qui est en mon pouvoir, je travaille énormément, je découvre, j'écoute, je vais prendre des cours, je vais faire des masterclass pour justement faire éclore cette carrière. Beaucoup de chanteurs trouvent la vocation par les autres. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent faire ça depuis l'enfance, c'est rare, hein, ou depuis leurs études. Mais ce qui est très fréquent, chez les, je sais pas, la moitié des ténors racontent ça, c'est des fins de repas, des banquets, où quelqu'un, il faisait complètement autre chose, soit des métiers manuels, soit autre chose dans la musique, et quelqu'un de la famille, ou hors de la famille, il dit « mais tu devrais chanter », ou un professeur de chant passait par là, en disant « viens me voir », à partir d'un matériau repéré. Donc c'est une espèce de don, oui, mais qui aurait pu complètement passé inaperçu et à tout jamais resté dans la famille. Non, tu ne peux guérir ma dernière blessure. Tiens, ça vient. Et ensuite, comme un aveu, ma blessure est au cœur. Je ne suis pas blessé au coude ou au genou. C'est mon cœur. Voilà. Et c'est une information dont tout le reste de l'air dépend. Ouais. C'est encore une fois un poème. Donc, le vent pas trop vite. Ok. Retiens-toi un tout petit peu. T'en fais pas, tu vas pouvoir donner de l'espace. Non, mais c'est tellement tentant dans ta musique aussi lyrique. On peut dire que c'est vraiment, c'est presque la définition du mot lyrique. Donc on a tout de suite tendance à vouloir l'élargir. Mais retiens. Le bel canto est dans l'art du chant en général ce qui repose le plus sur la technique. Et justement, dans ce vocabulaire du bel canto, le tri, c'est-à-dire l'alternance rapide de deux sons, je fais très mal, hein, je ne suis pas chanteur, qu'on fait au piano, au violon, dans tous les instruments, et qu'on fait aussi en chantant, c'est un élément fondamental. Et la conversation radiophonique dont je me souviens a eu lieu entre Marilyn Horn et Joan Sutherland. Beaucoup de gens ont oublié qui sont ces deux chanteuses, mais c'était des super vedettes dans les années 70. Et je me souviens très bien, l'une disait « Ah bon, le tri, mais moi, j'ai ouvert la bouche et c'est sorti. » Et l'autre disait « Ah bon, mais moi, j'ai travaillé pendant 5 ans, tous les jours, avant d'y arriver. » Donc le résultat était le même. La maîtrise de cet aspect du chant était égale et fantastique de part et d'autre, mais l'une était née avec et l'autre pas. L'une s'était innée et l'autre s'était acquis. Alors, très difficile de savoir dans le chant, le volume,
le phrasé, la musicalité, la justesse. Si on peut généraliser d'un chanteur à l'autre, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis? Je crois qu'on a tous quelque chose à la naissance et qu'on essaye d'acquérir ce qui nous manque. Et c'est jamais la même chose. So the gift is the voice. Donc le don, c'est la voix. Mais ce qu'on fait avec la voix, c'est un voyage. C'est horrible comme mot moderne, le voyage. Il est dangereux de penser que parce qu'on a une voix magnifique, tout nous sera servi sur un plateau d'argent. Bien sûr que les gens veulent écouter une belle voix. Certains des plus grands artistes qui ont été de grands artistes n'avaient pas forcément les plus belles voix, mais ce qu'ils en ont fait, c'est ça qui a compté. Et c'est ça le vrai travail du chanteur. Non, mais je pense que tu peux attendre. Donne-nous le temps de... Ça n'est pas possible. C'est comme n'importe qui à qui on vient d'annoncer la mort de quelqu'un. Mort, il ne peut pas être mort. Mort, non. C'est ce genre de sentiment. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois créer ça. Tu nous arrêtes dans nos rails. Le deuxième, c'est le deuxième. Ok, je pense qu'ayant fait Oddwall, je ne pense pas qu'il faut que tu fasses ce Pio non resisto. Débarrasse-en-toi. Je n'ai rien d'autre. Je ne sais pas comment arrêter ça maintenant. Je suis impuissante. Pio non resisto. And then you're into the aria. Mozart, of course, is absolutely wonderful. Mozart, bien sûr, est absolument magnifique. Mais c'est un compositeur très difficile. Parmi tant d'autres, c'est un compositeur très difficile à chanter. Ce que je veux avoir de la part des chanteurs, évidemment, je ne connais pas les chanteurs avant de venir, donc je dois apprendre à les connaître, à connaître leur voix et le répertoire qu'ils travaillent et à quel endroit ils sont, où ils en sont avec l'évolution de leur technique de chant. Ensuite, je pense que la chose la plus importante pour moi qu'il faut comprendre, et c'est quelque chose sur laquelle on ne porte pas assez d'importance, c'est cette transmission de tout et par-dessus tout, bien sûr, la musique et comment il l'a écrite. Et dans le cas de Mozart, il a fait quasiment tout le travail pour nous parce qu'il savait exactement quoi faire. Mais c'est l'usage du texte et comment il voyage dans le texte et comment il est mis en place et comment il l'utilise et comment ils utilisent leur voix pour faire cela. Et ça, ça prend des heures de travail. Pour suo talento ed amante disporre d'un impero parire. Tu vois ce que je veux dire? Une couleur différente. Un talento ed amante. So, you've got... Good. Bien. Il faut que tu rentres dedans. C'est très difficile. Il se peut que tu dois faire deux petites notes. Pour suo talento ed amante. So, you move it. Tu le fais avancer. Oui, je pense qu'il faut que tu trouves une couleur et après tu la laisses évoluer. Plus en plus, les maisons d'opéra dans lesquelles on chante sont grandes. Donc il est essentiel de communiquer clairement le texte. Et je sais que c'est possible dans de très grandes maisons, mais cela implique que le chanteur doit investir et soit investi et qu'il trouve l'énergie pour faire cela. Plus le temps passe, plus on comprend qu'on ne comprend rien. En fait, c'est un processus d'apprentissage de toute une vie, si vous êtes chanceux pour pouvoir chanter toute une vie. Thank you.
very good. Il y a une partie du métier, en tout cas à l'opéra, qui est intéressante, qui est la conquête de rôles. C'est-à-dire qu'on sent, on est fasciné par des rôles difficiles dont on connaît la difficulté, soit en termes de longueur, soit en termes de résistance physique, soit en termes de maîtrise humaine et technique, et qui ne sont pas encore à la portée de là, maintenant, aujourd'hui. Mais on est déjà en route avec son professeur et avec soi-même pour les maîtriser suffisamment, pour les proposer ensuite au public. On travaille chez soi jusqu'à ce qu'on sente que c'est mûr et qu'on peut le présenter. Et ça, c'est toute sa vie. Il y a des rôles dont on se sent maître très tard. Et puis d'autres qui viennent pratiquement en début de carrière. Of doubt. The E flat gives you a little bit of uncertainty. Okay. Yes. It's there. Pour les chanteurs, je crois que la chose la plus importante, c'est d'être le plus lucide possible par rapport à leur voix et à leur personnalité, de manière à pouvoir faire les meilleurs choix. Chaque artiste est singulier, chaque voix est singulière. Donc il s'agit de voir quels sont les points forts d'un chanteur. Et ce n'est pas seulement la voix, c'est aussi la personnalité, les talents d'acteur, la musicalité, l'imagination, le talent d'interprète. Donc de bien être au clair avec ses points forts et ses points faibles pour faire des choix qui vont s'appuyer sur les choses qui sont sur les aspects forts justement d'une personnalité de chanteur et de ses caractéristiques vocales et musicales. Quand on débute, surtout en tant que jeune chanteur, on se dit « Ouh là là, c'est un marché, il y a du monde, à la fois c'est un petit milieu et il y a du monde » et on se dit « Quand on me fait une proposition, bah, je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas refuser parce que si je refuse, ça se trouve, il ne me rappellera pas, ça me fait du travail en moins. » Et on a toujours peur, en fait. Donc au début, on est toujours à dire oui, quitte à se mettre un peu en danger, pas forcément réfléchir aux tenants et aux aboutissants d'une prise de rôle. Le fait de devoir prendre soin de mon instrument, le fait d'être plus en accord avec moi-même, ça me permet d'une part de savoir dire non dans la vie professionnelle quand il faut dire non. Et dans la vie de tous les jours, dans la vie privée, quand quelque chose ne me convient pas, j'ai suffisamment de conviction en moi et d'assises pour pouvoir dire non. Ça m'est venu un matin aussi, le tricot. Et depuis, j'ai pas arrêté. J'ai appris à faire plein de trucs, des écharpes, des pulls. La totale. Et j'adore ça. Alors, ça peut sembler un peu vieux jeu, je sais. Mais j'adore ça. Donc dès que, enfin même quand je prends le train, entre deux répétitions, en écoutant voilà de la musique et tout, en regardant une série, je tricote. J'ai acheté des bouquins, j'ai regardé des tutoriels sur YouTube, et voilà, c'est devenu une seconde passion le tricot. J'adore ça. Et tu penses qu'on peut faire la même chose avec la voix, on peut regarder des tutoriels? Heureusement, non. On peut regarder des tutoriels sur YouTube pour la voix, oui bien sûr, on peut. Il y a toujours des gens qui seront de pas si mauvais conseils d'ailleurs. Mais bon, ça remplace pas une prof en chair et en os, des cours chaque semaine et tout. Hein. En fait, tu fais en chance, tu fais ce que tu fais en tricot. C'est-à-dire ? Régulière, pas de c'est ça. La régularité avant tout, exactement. Je pense que, effectivement, quand je chante, et en tout cas quand je suis sur scène et que je suis pas en train de travailler ma technique ou de rectifier des trucs, effectivement, je pense que j'entre dans un autre état de conscience. Combien de fois ça m'est arrivé de chanter, d'être sur scène et de ressortir et de pas du tout avoir conscience de ce que j'ai fait, quoi. Ça, c'est effectivement, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais ? Ouais. Je pourrais pas dire est-ce que j'ai fait tel ou tel geste, je sais pas, j'ai juste fait les choses et je me suis senti bien, quoi. Donc, ouais. Quand on a pas, c'est pas systématique, attention. Hein. Mais quand on atteint cet état en prod ou en quand on répète une scène et tout, c'est quand même assez agréable, quoi. Et tu sais comment y aller volontairement dans cet état ? Non, je cherche pas. Je sais que je peux le retrouver. Je sais que voilà, quand je suis vraiment investi par mon sujet et que en amont j'ai bien travaillé et que je laisse totalement aller les choses, je sais que je peux retrouver cet état-là. Mais je cherche pas. Si on cherche absolument un truc, on le trouve pas. Ça crée de la frustration et c'est pas bon, quoi. Donc je laisse un peu la magie opérer. Et, voilà.
Mais une part de naturel, d'incontrôlé, de... agir à cet instant, à l'instant T, quoi. Donc, sauvage. Ouais, quelque chose d'un peu sauvage, ouais. Carrément. Mettre un son, il faut inspirer. Donc ne serait-ce que d'apprendre à respirer. Pas respirer comme dans la vie de tous les jours. Vraiment quelque chose qui rentre en nous, qui vient nous remplir toutes les cellules de notre corps pour ensuite délivrer le message avec la voix chantée. Ne serait-ce que ça. Et en fait, vraiment, physiquement, toutes ces sensations sont vraiment en construction, en fait. J'ai pas compris tout de suite à quel point l'implication physique était grande, importante et primordiale, en fait. Le corps est en construction au même titre que la voix est en construction. C'est pour ça que très souvent, ils nous disent on ne peut pas commencer le chant trop tôt, parce que le corps n'est pas fait, parce que la musculature n'est pas encore disponible, elle n'est pas encore souple, elle n'est pas encore... Donc le corps, moi, je commence vraiment, là, j'ai 28 ans, à sentir vraiment mon corps maintenant. Alors que j'ai commencé à chanter, à prendre des cours de chant, j'avais 16-17 ans. C'est pour vous dire, c'est vraiment une espèce de cheminement qui s'est fait sur les 10-11 dernières années, quoi. Et ce que je ressens vraiment, c'est une espèce de... C'est comme si toutes les parties de mon corps, donc de la tête, les clavicules, le sternum, tout s'alignait, en fait, et tout venait contribuer à... au geste vocal. En observant mes propres difficultés, je me suis rendu compte que ce que tout le monde a en commun, c'est cette méconnaissance du corps. Moi, j'ai été formée très tôt avec le piano classique, par exemple. Je connaissais mon piano par cœur, mais moi-même, faisant le geste, je ne savais pas très bien. Et ce désarroi, il s'est manifesté beaucoup quand j'ai commencé à chanter. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à tenir debout, je ne comprenais rien, comment ça marche dans le corps. J'étais très embêtée avec ça. Et donc, au fur et à mesure, j'ai cherché des techniques, des choses qui m'aident à comprendre quel effort musculaire je dois faire, parce que comme ce sont des efforts indirects pour chanter, on peut chanter en temps « Ah !» Mais quand on chante plus lyrique, avec du souffle, il y a cette élaboration du souffle, puis ensuite « Ah !» le son qui vient, comme on dit, indirectement. Et donc ça met en panne un peu tout ce qu'on fait d'habitude, ou on a l'habitude de faire ce qu'on a décidé, en fait, comme le mental a décidé. Et ça, c'est un truc qu'on apprend très tôt à l'école. Quand on est un enfant, on sait tout faire à la fois avec le corps, l'esprit, tout marche ensemble. Et puis, dans notre éducation, on sépare le mental du physique, et du coup, on veut toujours commander à son corps, mais le corps, ça répond pas toujours, loin de là. Donc finalement, j'ai essayé pas mal de méthodes, et je suis tombée sur la technique Alexandère, qui a été un outil formidable pour moi déjà, pour m'aider à trouver, à tenir debout en chantant, à creuser un peu aussi mon approche du piano, à avoir plus de facilité, à faire marcher toute cette mécanique finalement, et à connaître cet instrument davantage. J'étais une traqueuse épouvantable, j'avais peur, affreusement peur avant d'entrer en scène, et rien ne me calmait. Et en fait, petit à petit, dans cette élaboration de mon corps, en sachant que je pouvais compter sur mon corps, que... Bon, moi, j'étais terrifiée, mais qu'une fois que j'arrivais en scène, ça marchait tout seul. Ça a fini par me donner confiance et mon trac a reculé. J'ai fait travailler des danseurs, des chanteurs, des gens du spectacle, beaucoup, puis d'autres gens aussi. Et je finissais par tomber toujours sur les mêmes problèmes. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à devenir un peu coach de ces gens pour essayer de travailler sur ce qu'on appelle ce travail psychophysique. C'est-à-dire à la fois de pouvoir s'entraîner corporellement, mais que ça corresponde aussi à une manière de penser. Et que ça corresponde aux difficultés qu'on rencontre chacun avec son instrument. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir envie de se détendre, de faire des exercices, etc. Le problème, c'est d'arriver à les appliquer au moment où on est en scène, où c'est le moment où ça part le plus vite, puisque c'est là qu'on est le plus tendu. C'est comme deux mondes différents. Et puis, dans la musique, ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'on est entraîné pas du tout comme les sportifs de haut niveau, alors qu'on est des sportifs de haut niveau. Musculairement, c'est horriblement difficile, ça demande une mobilisation énorme, il faut récupérer. Et en fait, c'est un peu comme si on fait quelques petits exercices ponctuels, qu'on cherche à se détendre, mais que finalement, on s'échauffe à l'instrument et que c'est secondaire. Donc du coup, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait que ça soit complètement mixé. C'est-à-dire le mode de vie qu'on a, la manière dont on est quand on vit tous les jours,
et la même chose quand on s'assied au piano, la même chose quand on est en scène, et que du coup c'était des choses assez simples, mais que c'est ça qu'on perd de vue tout de suite. C'est-à-dire que très très vite, on travaille sur soi, c'est comme les gens qui font une heure de gym, une heure de sport, puis après on oublie complètement le corps, il devient secondaire. Donc c'est lui redonner une place fondamentale, mais aussi dans notre pensée, dans nos émotions, dans notre manière de gérer les choses, d'être présent à soi, en fait. Et comme il y a 600 muscles à peu près dans le corps, c'est extrêmement difficile d'être présent à soi en entier. Si on travaille le corps humain au départ, c'est parce que, en fait, c'est l'instrument qu'on ne travaille jamais. On travaille toujours le chant, on travaille le piano, travaille d'autres choses, et le corps humain, il s'adapte à ce qu'on fait. Donc, quelque part, ce sont sur des quantités d'efforts qui sont quand même normales. Il y a juste le premier son où tu te poses une question. Ouais. On ne peut pas se poser une question sans avoir pensé. Ah, ça c'est bravo, c'est possible. Non, ça ne va pas passer. Au moment du service, le moment où la raquette va frapper, ça part tout seul. Donc c'est tout ce que tu fais avant qui prépare. Ce qu'on fait, c'est qu'on est présent à soi en entier, mais dans toutes les actions. Ça veut dire allumer le robinet pour chercher de l'eau, fermer une porte, et puis ensuite dans ses notes de musique, ou dans les répétitions, puis en scène, et puis après la scène, etc. Donc finalement, c'est le travail d'une vie, et c'est un peu différent. C'est-à-dire, c'est pas soit faire de la gym ou faire des exercices pour faire quelque chose vite fait, mais on est débarrassé du corps. C'est pas non plus passer son temps à le réparer, à le soigner, etc. C'est l'avoir comme partenaire, en fait. Et du coup, ça donne au niveau de l'interprétation et même de la vie, en fait, de la liberté artistique. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les coulisses de l'être déployé ». Et pour moi, le déploiement de soi qu'on ressent quand on a cette impression que, comme une fontaine, tout converge et tout va jaillir au bon moment, c'est un petit peu ça que ces outils de la technique Alexandère et mes recherches parallèlement artistiques et personnelles m'ont emmené à mettre au point aujourd'hui et que j'essaie de transmettre dans mes coachings aux artistes que je fais travailler. Hello, comment tu vas? Tes chaussures, ouais. Et après les vestiaires ils sont. Ça marche. On va chercher à travers le yoga à retrouver une connexion entre déjà le corps et l'esprit, mais déjà aussi entre nous et la généralité, tout ce qui nous entoure. Donc on va devoir forcément passer par le travail du corps. Le travail du corps, il va ramener l'esprit dans le corps, il va permettre une concentration, il va permettre justement d'améliorer les capacités corporelles, c'est-à-dire on va retrouver de la souplesse, on va retrouver de la force, on va retrouver de l'énergie. Et tout ça, en fait, quand on se sent bien dans le corps, déjà, on se sent beaucoup mieux dans la tête. Et à partir de ça, on va pouvoir s'ouvrir à d'autres choses, on va pouvoir s'ouvrir à beaucoup plus de conscience de ce à quoi on pense en général. Donc pour ça, une séance va se dérouler généralement avec une partie de posture, vraiment un travail physique, qui va se terminer justement par une petite relaxation et généralement un travail de respiration et de méditation. Et maintenant, inspire, envoie les mains dans les airs. Paume jaune si tu peux. Expire, plonge vers l'avant, attrape tes tibias ou touche le sol. Ah, tu touches, parfait. Ok. Et d'ici, tu fonds la poitrine genou. Maintenant, inspire, dos droit, regarde devant toi. Expire, marche ou saute à l'arrière du tapis. Fais une planche et une pompe. Magnifique. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. C'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la pompe, hein, déjà. Je pousse. Oui. Alors, pourquoi? Parce que tu cherches à avoir ton genou à l'extérieur du... Il faut bien à l'intérieur. Ouais. Ah, c'est embêtant. Hein. Chien, tête en bas. Je te demande pas de mettre la main non plus entre les mains. Hein. C'est pas ce que j'ai demandé. À l'avant du tapis, mais pas forcément entre les mains. Oui. C'est pas mal, mais de toute façon, ça va venir. Après, c'est pas grave, sinon tu peux attraper le pied et corriger. Ok. Voilà. Il veut pas. Ça paraît, ça va venir. Deux fois. Donc, pas trop d'écart. Je te demande pas vraiment d'être non plus à 90. Ouais.
tu vas attraper son gros orteil avec... Il y a une perte en fait de la proprioception, mais même du discours et simplement de l'image qu'on a de soi-même. Et voilà. Du coup, cette perte engendre un mal-être d'un certain côté, et on va chercher à travers le yoga à retrouver une connexion entre déjà le corps et l'esprit, mais déjà aussi entre nous et la généralité, tout ce qui nous entoure. Donc on va devoir forcément passer par le travail du corps. Le travail du corps, il va ramener l'esprit dans le corps, il va permettre une concentration, il va permettre justement d'améliorer les capacités corporelles, c'est-à-dire on va retrouver de la souplesse, on va retrouver de la force, on va retrouver de l'énergie, et à partir de ça, on va pouvoir s'ouvrir à d'autres choses, on va pouvoir s'ouvrir à plus de conscience de la respiration et beaucoup plus de conscience de ce à quoi on pense en général. Et par rapport à ça, en fait, ça va nous donner une idée générale du corps qui va aider le chanteur en fait, à se servir, non pas par exemple comme un violon uniquement de ses cordes, mais vraiment de l'instrument en entier. Tu vas, pareil, en fait, partir sur une flexion avant d'avant. On nous le dit très tôt. On nous le dit, on chante avec le corps, il faut inspirer très profondément, il faut aller chercher. Mais on peut nous dire tout ce qu'on veut et on peut nous décrire, nous donner des images, nous donner tout un tas de... aller chercher le souffle jusque dans le périnée. Enfin, on peut entendre tout un tas de choses. Mais tant qu'on ne l'a pas vraiment travaillé quotidiennement, expérimenté, senti, ça n'a aucune commune mesure. On ne peut pas l'expliquer, dire qu'on l'a compris sans l'avoir ressenti, en fait. Intellectuellement, on peut comprendre des choses, on peut dire oui, d'accord, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça qu'il faut sentir les choses. Tant qu'on ne l'a pas vraiment expérimenté, on peut pas vraiment savoir ce qui se passe au moment de cette prise d'air et de l'émission vocale. Non. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. D'accord. Voilà. Et progressivement, tu vas passer la main ici, ici et un jour ici. D'accord, ok. La seule chose que je te demande, c'est la sensation d'étirement. Ouais, là je la sens. Ok. Ça apporte évidemment la souplesse du corps, le yoga, mais ça va du coup apporter pour le chanteur de l'élasticité, plus de capacité justement à ne pas aller forcément dans des mouvements violents, même dans des phrases violentes ou des attaques de son, et être donc beaucoup plus dans la musique et beaucoup plus de liberté à faire, à interpréter. Alors, je passe par là. Fais-le comme tu le ferais toi naturellement. D'accord. Si vraiment tu peux pas, je te donnerai des consignes, okay. Mais c'est quelque chose de perso. Okay. C'est la proprioception de ton corps, de la manière dont tu vas monter. Oui, ça c'est parfait. Petit à petit, tes mains, tu vas les faire remonter légèrement vers tes clavicules. Elles vont marcher comme ça? Oui, elles vont marcher comme ça. Comment ça va? Il y a des sensations qu'on n'avait jamais découvertes jusqu'alors. Mais il y a des sensations qu'on avait, par exemple, en étant bébé, qui sont vraiment très présentes chez l'enfant, chez le nourrisson. Des attitudes, des postures, des manières de bouger, en fait. Tout simplement parce que l'enfant, encore, est fluide. L'enfant et l'enfant est souple. L'enfant ne fait pas attention à son image. L'enfant, il y a tout ça. Et le corps, du coup... par rapport à la société en général, mais par rapport au mouvement, par rapport à ce qu'on a au quotidien, va se figer de certaines manières, va créer des mécanismes compensatoires pour pouvoir construire et vouloir effectuer des tâches et les effectuer le plus simplement, sans le moindre effort possible. Mais en fait, c'est un peu bête de penser dans ce sens-là, dans le sens où, au final, on paye le prix à un moment donné. Et même le chanteur. Ne serait-ce que même pour parler du chanteur qui avance dans sa carrière et dans l'âge, il va y avoir le stress qui va évidemment verrouiller le corps un peu plus. Le stress qui va changer le corps du matin au soir. C'est-à-dire que le matin, le corps est à peu près normal, mais le soir, le corps est totalement différent parce que le stress est là pour la représentation. Donc le cerveau a déjà du mal à comprendre les deux et se retrouve perdu au bout d'un moment donné. Il va y avoir une espèce d'équilibre qui va être apporté ici. Et vraiment développer le full potentiel de son corps, en fait. Le full potentiel du corps et de l'esprit. Parce qu'il y a chez nous une certaine envie de ne pas trop aller profondément dans les choses par peur, par exemple. Je sais pas si vous avez déjà fait la remarque de vous mettre dans votre lit, vous éteignez la lumière et là vous pensez à des milliards de trucs. Pour,
Pourquoi ? Parce que le cerveau n'a pas envie d'être tout seul avec lui-même. Ça, c'est hyper important. À partir du moment où on accepte et justement où on devient son propre ami, mais en fait, on devient son meilleur allié. Et même dans des notions de stress comme en chant, ou même dans l'apprentissage du chant, c'est hyper important. Parce qu'on considère son corps comme un allié et pas comme quelque chose qui nous empêche d'atteindre, par exemple, un niveau, un morceau, une note. Voilà, mademoiselle. Merci beaucoup. Mais de rien, c'était un plaisir. Vraiment, pour moi aussi, merci beaucoup. Je pense que ce côté des racines, vraiment d'enracinement dans la terre d'Afrique, c'est vraiment avec mes parents que je l'ai vécu, que je l'ai ressenti. En tout cas, mes parents nous ont souvent dit, à mes frères et sœurs, qu'on a été élevés à l'africaine. Donc, c'est-à-dire avec une espèce de... Comment expliquer ça ? Avec une espèce de déférence par rapport aux parents, d'une part, et une espèce de noyau familial très, très fort. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'elle allait chanter. Non, mais franchement, attends, et en plus, elle est, sa nature, elle est réservée, elle était timide. Et chanter, ben oui, elle était timide. Oh. Je ne sais pas si elle est toujours, mais là, je ne pense plus qu'elle est, hein, parce que sinon, elle n'allait pas réserver, machin, tout, pour une personne qui chante comme ça, tu te dis, mais vas-y donc, on a besoin de chanter. Bon, le chant, bon, comme à l'église, par exemple, quand on va à l'église, on a la chorale. Et la chorale en Afrique, chez nous, je n'ai pas envie de faire de comparaison, mais ici, quand on va à l'église, ce n'est pas pareil. En Afrique, à l'église, c'est la joie. Donc, on a besoin de chanter pour être bien. Donc, on a ça en nous aussi, on va dire. Donc, le chant nous fait du bien, la musique nous fait du bien, bon, tout un tout, quoi. Il y a musique et musique, hein. Donc, du coup, le chant, je pense que c'est inné, quoi. Ça fait partie de nous aussi. Quelquefois, moi, j'ai eu des jeunes chanteurs qui m'ont dit, mais expliquez-nous comment vous faites les vocalises. Et moi, je dis toujours en rigolant, je crois que c'est peut-être une des rares choses que j'ai eues naturellement. Oui. Voilà. Mais c'est comme pour certains danseurs. Ils ont une souplesse naturelle. Ça, déjà, ça fait une sacrée sélection pour la danse. On a cette souplesse du larynx naturelle pour vocaliser vite au départ. Après, il y a le travail, hein, évidemment. Puis j'ai forcément travaillé davantage pour l'améliorer. Mais c'est vrai que j'avais déjà cette facilité à vocaliser rapidement. Donc, j'ai forcément été dans un répertoire où... Qui requiert. Donc, c'est vrai que pour le coup, quand on me demande d'expliquer ça, je suis vraiment obligée de réfléchir et de trouver des exercices pour les aider. Parce que, voilà, c'est pas la chose, moi, que j'ai travaillé en priorité, en tout cas. Donc, c'est vrai qu'on se dit, oui, on a envie de transmettre, mais comment transmettre Bah oui, après, il y a l'expérience, je pense, aussi. Lors de ma licence au conservatoire, donc c'était en juin 2017, donc dans l'audience, il y avait le directeur de la coordination artistique de l'Opéra National de Bordeaux, Julien Benamou, qui était dans la salle, qui a apprécié mon travail et qui m'a proposé de venir auditionner dans la foulée à l'Opéra National de Bordeaux en sa présence et en la présence de Marc Minkowski. Et donc, à partir de ce moment-là, ils m'ont fait confiance régulièrement. Et j'ai eu la chance de participer à deux productions d'opéra à l'auditorium de l'Opéra de Bordeaux, donc Elektra de Strauss et Die Walküre de Wagner, et d'être programmée dans plusieurs récitals et pour dans un festival et pour plusieurs récitals à Bordeaux et dans les environs. My north, my south, my east and west. My working week and my Sunday rest. My noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love could last forever. I was wrong, the stars are not wrong.
qui est très intéressant avec Julien, c'est qu'il a une très bonne projection. Il arrive très bien à imaginer ce que seront les carrières sur le long terme. Et il a compris que moi, pour débuter, pour mon type de voix, il était intéressant de me mettre dans des productions de compositeurs comme Wagner, comme Strauss, des productions quand même assez massives, mais sur des rôles très courts. Et ça me permet de faire mes premières armes, d'être sur scène, d'avoir de l'expérience et à la fois de prendre mes marques. Bon, ça va, tu te sens comment? Ça va, écoute. Ça va bien se passer. Il faut que ça se passe bien, ça va bien se passer. On a bien travaillé avec Jean-Marc, c'est de la belle musique.